Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et vous avez vu, hein, le temps est pas top, mais on tient, on tient, on tient. D'ailleurs, je vous emmène faire un petit tour à la plage, ouais, sur les galets de Nice. Vous allez voir, c'est super. Chaque matin, c'est douche obligatoire pour les galets niçois. Aspersion à l'eau de mer, normalement avant l'arrivée des baigneurs. Ramassage manuel des macro-déchets. Le dispositif de nettoyage des plages est en place pour l'été et il a forcément été adapté au contexte sanitaire. Cette année, on a modifié notre process au niveau de toute l'accessibilité au niveau des plages, que ce soit au niveau des escaliers et des douches et des rampes, où là, on a changé notre produit avec un produit viricide et bactéricide qui est utilisé par notre groupe Haute Pression. Ce nettoyage des accès des plages aux viricides est quotidien, couplé aux mesures de distanciation qui doivent toujours être respectées. Il vise à rassurer les Niçois et les touristes potentiels de l'été. Le message est important à faire passer. Lorsque je vois le niveau de réservation de l'hôtellerie qui monte à une vitesse extrêmement rapide, j'ai le sentiment que la manière dont, avec mes autres collègues maires du littoral, nous avons géré cette crise, nous avons sans doute donné une image telle qu'elle met en confiance ceux qui veulent nous rejoindre cet été. Chaque saison, 6 tonnes de déchets flottants sont récupérées par le bateau des pollueurs. Et sur les plages, 6 tonnes de déchets sont ramassées chaque jour dans les poubelles et sur les galets de la prom. Les baigneurs, locaux pour l'instant, y sont sensibles. Quand on plonge, c'est qu'il y a moins de détritus dans l'eau, donc c'est déjà ça de gagner. Mais bon, oui, après, virus ou pas virus, c'est dommage que ce soit pas propre tout le temps, quoi. Allez, on va baigner. Pour les baigneurs qui manqueraient de civisme, il peut leur en coûter 68 euros d'amende pour le moindre mégot jeté. Ça peut aider à dissuader. Alors voilà, la désinfection continue. Ouais. Et ce qui est dommage, en fait, et je déplore, c'est qu'il y ait toujours autant de saleté, que les gens n'aient pas peur du virus au point de jeter leur saloperie par terre et que l'on soit toujours obligé de nettoyer les plages, c'est un peu dommage. C'est manque de respect total et ça, c'est juste pas normal. Bon, voilà, ça c'était, c'est dit, c'est fait, voilà. Alors, nous avons notre chef, enfin, pas notre, notre, non, c'est pas le mien, hein, mais le maire de Nice, parce que moi, je fais pas partie de Nice, donc le maire de Nice que je connais, lui me connaît pas, mais moi, je le connais, et il me fait rire. Quand il dit c'est super parce que bah, on met tout en place pour que les gens viennent en vacances à Nice pour, et pour se changer les idées, hein, puisqu'il faut faire repartir l'économie. Hein, étant donné que 2 mois ont suffi à tout faire tomber, à tout faire capoter, je me demande si... non, je ne me demande pas. Je sais que la bourse se cassait déjà la gueule avant l'épidémie. Et que ces 2 mois de confinement n'ont été qu'une raison obscure, pour donner en fait, comment dirais-je, pour donner, je me répète, hein, mais je trouve pas vraiment les mots. Donc, pour donner une raison, en fait, à la bourse de se casser la figure. Mais en fait, la bourse, elle se cassait déjà la figure avant. On n'avait pas eu besoin de ce 2 mois de confinement. Hein. La bourse, elle s'est déjà cassée la gueule avant parce que ce n'est pas en deux mois de confinement que la bourse a fait une chute aussi faramineuse. Hein. Parce que si elle tenait, si elle était... en bonne santé, cette bourse, 2 mois n'aurait pas suffi à la foutre en l'air. Voilà. Mais le confinement à bon dos. Ouais, le confinement à bon dos. Donc je reviens à ce cher Esposi
qui dit qu'il faut refaire repartir donc que les gens reprennent des vacances, qu'il faut faire repartir l'économie, bien sûr, hein, faire repartir l'économie. Alors pour l'instant ça va, parce que vous avez vu sur les plages, hein, les gens ont bien leur distanciation et patati et patata, sauf que quand les gens partiront en vacances, je me demande comment ça va se passer pour cette distanciation, parce que quand je vois quand c'est tous les ans, les gens ils sont sur la plage la nuit, c'est pourtant c'est égalé, hein, c'est pas ce qu'il y a de top, hein, pour la plage, enfin pas pour moi en tout cas, hein, moi j'aime bien le sable, j'aime bien voilà, ou alors des tout petits galets. Et quand on voit déjà comment les gens ils sont les uns sur les autres sur les plages de Nice, si M. Estrosi veut faire repartir l'économie sur Nice et qu'il veut ouvrir la porte aux voyageurs et aux vacanciers, je me demande vraiment comment ça va se passer, parce que ça risque d'être très chaud. Ça risque d'être très chaud. Là, je ne sais pas s'il y aura un mètre de distanciation. Ou alors, il va nous faire un passe-droit, c'est-à-dire qu'ils vont nous mettre des heures pour y aller, hein, ou alors un nombre de personnes seulement par plage, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir comme truc, mais je pense qu'au mois de juillet-août, quand il va y avoir les vacanciers qui vont arriver, je pense qu'il va y avoir comme un petit problème dans son programme, il va y avoir un petit problème, ouais. Enfin bon, et qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein, moi, ça me fait rire parce que du coup, alors déjà que j'allais pas à Nice, mais alors du coup, dans ces conditions, j'irai pas du tout. D'ailleurs, on se demande si on va partir en vacances ou pas. Enfin, en vacances, on va pas partir en vacances, parce que c'est même pas la peine. Mais j'aurais bien aimé, moi, partir, par exemple, ne serait-ce que un week-end, histoire de se changer un peu les idées. Et puis... De se couper de tout ça. Mais quand on voit comment ça se passe dans les campings et le reste, hein, alors ça ne me donne pas envie de partir, hein, avec leurs masques, avec leurs gants, avec leur désinfection à tout va, avec tout ce qui s'ensuit. Je ne sais pas. On est en train de se dire qu'on va voir comment vont évoluer les choses. Et peut-être qu'on prendra un week-end si les choses s'arrangent, c'est-à-dire que si on arrête avec cette histoire de vouloir tout désinfecter tout le temps, cette histoire d'épidémie qui n'a plus lieu, enfin bref, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, c'est pas compliqué, hein, je veux dire. Il y a des pays dans l'espace Schengen, hein, qui ont tout envoyé valser, et qui se réunissent. Qui font des réunions, qui vivent leur vie tranquillement, et il n'y a pas eu d'autres cas. Ça continue à baisser, il n'y a pas eu d'autres cas. Donc, c'est marrant, hein, comme on prend autant de... en fait, c'est les pays qui prennent le plus de précautions qui ont le plus de cas. C'est pas logique, c'est paradoxal, c'est pas normal. Donc, c'est juste génial parce que l'Allemagne, l'Italie, tout ça, ils n'en ont rien à foutre. Ils vivent leur vie tranquille. Et pourtant, l'Italie, ça a été chaud, hein, d'après ce que nous a dit l'OMS à un moment, hein, les pays de l'espace Schengen. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur l'OMS, je vous conseille d'aller faire un tour parce que c'est vraiment génial. Donc, moi, je ne crois plus rien du tout. Et je fais selon ce que me dit mon cœur. Alors, il est hors de question que je sois, que je fasse 15 jours de quarantaine ou que ce soit, et pour quelque raison que ce soit. Il est hors de question que j'aille passer un week-end quelque part je n'ai pas mon entière liberté. Et si on ne me demande pas de me passer les mains à l'alcool, à l'hydro, machin, un truc, bidule chose avec plein d'alcool et qui vous défonce tous les microbes et les bactéries que vous avez dans les mains alors que vous en avez besoin, hein, pour votre immunité, voilà,
D'ailleurs, en parlant de ça, la meilleure façon de se protéger de tout et de n'importe quoi, c'est encore de faire monter son immunité. Et donc de se protéger grâce à son immunité. Voilà. Vous avez vu dans la vidéo, hein, il y a quand même des gens qui ont quand même un petit semblant de jugeote encore. Hein, tout le monde n'est pas complètement abruti par cette affaire. Et ils ont quand même un semblant de jugeote. Et ça me fait plaisir de voir que, voilà, il y a quand même des gens qui ouvrent les yeux. Et c'est génial, c'est génial, c'est génial. Que vous dire ? Alors oui, j'ai reçu un mail ce matin du centre de loisirs, hein, qui se propose donc d'accepter les enfants, mais pas tous, pas tous, pas tous, pas tous. Il faut un certificat de l'employeur stipulant que les parents, les deux parents travaillent et que donc ils sont obligés de se faire garder au centre de loisirs. Mais comme au centre de loisirs, ça va se passer comme à l'école, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bouger, qu'ils ne vont pas aller à droite et à gauche comme ils le faisaient avant, qu'ils ne vont pas faire de visite, qu'ils ne vont pas faire de pique-nique, qu'ils vont rester dans la salle toute la journée. Je ne vois pas l'intérêt de passer des vacances, surtout pour des enfants, dans des conditions pareilles. Je ne vois pas, je vois déjà pas l'intérêt, hein, parce que l'enfant est censé être en vacances. Alors si c'est pour le mettre en prison encore une fois, alors une fois qu'il est sorti de l'école, de sa prison de l'école, il rentre dans la prison du centre de loisirs, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas en quoi ça peut aider l'enfant, sérieusement, je ne vois pas. Donc, et puis ça va, et puis ça me conforte dans le fait que j'ai raison de penser ce que je pense et de faire ce que je fais et de dire ce que je dis. Voilà, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, et voilà, c'est comme ça. Alors non... mon fils n'a pas repris l'école, mon fils n'ira pas au centre de loisirs. Voilà, et donc ça c'était la petite nouvelle du jour. Par contre, oui, j'ai décidé, alors ça fait déjà deux ans, que j'avais décidé d'ouvrir une association ici dans mon quartier à la Condamine. Une association pour venir en aide aux gens. Sauf que cette association, ben, moi je pouvais l'ouvrir, je pouvais la déclarer, mais elle était soumise à l'accord de plein de choses. Et là, moi j'ai décidé qu'elle ouvrirait. Parce que du fait qu'elle est déjà au journal officiel, donc il n'y a pas de raison que j'ai payé 44 euros pour qu'elle soit au journal officiel et qu'elle ne voit pas le jour. Alors, ouais, j'ai besoin de locaux et j'ai besoin d'un local, ça me suffit amplement. Et j'ai besoin de tout ce qui est informatique, enfin, je sais pas, un ordi, un bureau, voilà. Et j'ai donc envoyé un courrier au maire de ma ville, enfin, à la secrétaire du maire de ma ville, et j'espère sincèrement qu'elle va y adhérer, parce que même si elle n'y adhère pas, je la ferai vivre, cette association, d'une façon ou d'une autre. Dussé-je l'ouvrir sur ma terrasse, cette association, dussé-je l'ouvrir sur ma terrasse, peu importe. J'ouvrirai cette association, je me fiche complètement et royalement de ce que peut penser qui que ce soit. J'espère que le maire pourvoira à ma demande, hein, j'espère sincèrement, parce que c'est une association à but non lucratif, donc j'ai rien à y gagner, hein, j'ai rien à y gagner, sauf à perdre mon temps, mais au final je ne perds pas mon temps, puisque je le donne volontiers et avec tout mon cœur et mon amour, donc c'est absolument pas... C'est vraiment, vraiment... je vous parlais des idées racines l'autre fois. Bah voilà, celle-là, elle en fait partie. Et je sais que je vais l'ouvrir. D'une façon ou d'une autre, je vais l'ouvrir parce que je vais tout faire pour. Donc, je vais l'ouvrir. Enfin, je vais l'ouvrir. Elle est déjà inscrite. J'ai juste besoin de matériel de base. Voilà. Et donc, je vais l'ouvrir parce que je veux l'ouvrir. Je veux l'ouvrir. Voilà. Et je l'ouvrirai. Donc c'est une association qui, à la base, sera juste avec
pour donner des vêtements, pour donner enfin des choses non périssables, qui ne demandent pas que qui ne demandent pas une surveillance sanitaire, voilà, une surveillance sanitaire à tout va et voilà. Bien sûr que les locaux sont désinfectés, bien sûr qu'il y aura, sans cette histoire de virus, il faut désinfecter les bureaux, il faut les nettoyer, ça ne change rien au problème, j'ai envie de dire. On verra par la suite comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai déjà besoin de locaux, j'ai besoin, pour le coup, je vous mets en dessous... des cagnottes si vous voulez m'aider à monter cette association je la monte ici à la Condamine, hein, mais au final elle peut servir à tout le monde parce que je vous ferai des vidéos quand j'aurai les locaux, bien évidemment, hein, je vous ferai des vidéos et parmi vous, il y a des gens qui sont dans le besoin, dans la nécessité, je me ferai un plaisir, un honneur et une joie de vous envoyer ce que je peux avoir et afin de vous aider du mieux que je peux. Donc que vous soyez sur la région PACA ou en Bretagne ou à Lille ou peu importe dans quel endroit de la France, ce n'est pas un problème. Je répondrai à toutes les demandes et je ferai en sorte que vous ayez ce dont vous avez besoin et ce que vous avez demandé. Voilà. Donc j'ai donc besoin que cette association, elle, survive pendant un an avant de pouvoir avoir des subventions. Oui. Donc, c'est complètement illogique parce que les subventions, là, on en a besoin tout de suite, quand on ouvre l'association. C'est là qu'on a besoin des subventions, parce que c'est là qu'on a besoin d'aide, on a besoin de plein de choses. Hein, donc, c'est là qu'on aurait besoin des subventions. Mais non, les subventions, elles arrivent un an après. C'est d'une logique imparable, j'ai envie de dire. C'est vraiment... on est dans un monde où on marche sur la tête, mais bon, que oubliez-vous, c'est comme ça. Hein. Et donc, c'est pour ça que je veux être complètement autonome au niveau de cette association. Alors, que le maire soit d'accord ou pas, que j'ai les accords ou pas, qu'ils adhèrent ou pas à mon idée, moi, mon idée, elle a vu le jour dans ma tête et j'y donnerai vie d'une façon ou d'une autre. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, hein, envoyez-moi des messages, contactez-moi, je vous ai mis mon adresse mail, contactez-moi, dites-moi, et surtout, je vous mets une petite cagnotte en dessous, si vous pouvez, si vous avez la possibilité de faire des dons, hein, de faire des dons de façon à m'aider à monter cette association, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Alors, je vous mettrai le nom de l'association, c'est Un sourire pour tous. Et je vous mets la photo qui est parue au journal, de façon à ce que vous voyez que je ne vous raconte pas de bêtises, que j'ai vraiment ouvert cette association et qu'elle est vraiment parue au journal des associations. Donc, vous verrez que je ne vous raconte jamais de bêtises de toute façon, vous le savez, ceux qui me suivent le savent. Et voilà, je veux la faire vivre et je la ferai vivre d'une façon et d'une, ou d'une autre, puisque c'est, tout simplement. Je sais que j'y arriverai d'une façon ou d'une autre. Alors, à votre bon cœur, messieurs, dames, si ça résonne avec vous, je ne demande pas beaucoup et je ne demande pas à ceux qui ne peuvent pas non plus, sauf à ceux qui veulent et ceux qui peuvent surtout, ceux qui peuvent, ça serait bien, et ceux qui veulent, voilà, ceux qui ont la possibilité. Comme je vous dis, il n'y a pas de souci, hein, je ferai des colis dans toute la France, il n'y a aucun problème.
Mais pour ça, bah, il me faut les moyens, vu que les subventions, j'y aurai le droit que l'année prochaine. Voilà, pour autant que l'association tienne un an. Mais elle tiendra un an, elle tiendra même plus. Parce que quand on a envie de faire quelque chose et que c'est vraiment quelque chose auquel on tient, ça voit le jour, ça voit le jour, et je sais que ça verra le jour. Et alors, ce qui se passe à l'extérieur, j'en ai rien à foutre. Les autorisations, j'en ai rien à foutre. Je l'ai, la principale autorisation, je l'ai, c'est la préfecture qui me l'a faite. Donc, je l'ai. Pour le reste, ça me passe au-dessus de la tête. Voilà, accord ou pas accord, ça me passe au-dessus de la tête. Alors, je fais appel à votre bon cœur, mais si personne n'adhère, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que de toute façon, je la montrerai quand même. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous informerai au fur et à mesure de l'avancée de cette association. Et voilà, je pense que tout a été dit, hein, tout a été dit. Je ne vous parle pas de ce qui se passe dans le monde parce que je n'en ai rien à faire, ça ne me concerne pas, c'est pas dans ma ligne temporelle actuelle, ma ligne temporelle elle n'est pas là, elle est ailleurs, donc je fais vivre ce que je veux, ce que j'ai envie, je nourris mes idées racines, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, j'en ai plein, donc l'association entre autres, je la fais nourrir et donc je sais qu'elle aura lieu, voilà c'est tout, voilà. Donc bah écoutez, on est mercredi 11, je ne sais pas si vous verrez ma vidéo aujourd'hui ou demain ou peu importe. En tout cas, il est exactement 9h10. Hein. Il ne fait encore pas très chaud. Vous avez vu que le soleil, il joue un peu à cache-cache avec les nuages. Ce n'est pas grave. Hein. La vie est belle quand même. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, que vous avez la paix, la joie, le bonheur dans le cœur. Hein. C'est le plus important. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Prenez soin de votre cœur et que la paix soit avec vous tout le temps, en chaque instant de votre vie, à chaque moment de votre vie. Soyez en paix, lâchez prise, prenez de recul et soyez en paix. Surtout, soyez en paix. Je vous aime. Bye. Thank you.